Près de 3 ans après le décès de Johnny Hallyday, son ex-compagne, Nathalie Baye, est toujours en deuil. Si le duo a partagé 4 belles années ensemble, si est la naissance de leur fille, Laura Smet, née le 15 novembre 1983 qui les a liés à jamais. Alors que le 20 août dernier, elle avait partagé un tendre cliché du rocker embrassant leur petite fille, si est avec un cliché pris sur le tournage du film Détective, que la comédienne de 72 ans a souhaité lui rendre à nouveau hommage. Enthousiaste, elle a ainsi déclaré à ses 28 000 abonnés, « Un des tournages les plus dingos que j'ai connus. » Point d'exclamation détective de Jean-Luc Godard avec Johnny et Claude Brasseur entre autres. Johnny était heureux de tourner. Nous rions beaucoup. Heureux souvenir. 35 ans plus tôt, CIST à l'occasion d'un entretien accordé à Télérama que Johnny Hallyday s'était confié sur le tournage de Détective, où il prêtait ses traits à Jim Fox Warner, « Pour mon retour au cinéma, le choix du premier film était capital, car je considérais qu'il serait décisif pour la suite de ma carrière, s'il y en a une. J'ai décidé que ce serait Godard ou Piala. » Il continuait, en choisissant Godard, je ne pouvais pas rêver mieux. Il me fallait briser le mythe, séparer mon travail au cinéma du show business. Ce n'est pas un retour au cinéma. Le reste est passé, on ne parle plus. Détective, CIST mon premier film. Tourner ce film avec sa compagne de l'époque, Nathalie Baye, l'avait beaucoup aidé. Johnny Hallyday révélait en effet, cela a été plus facile grâce à elle. Je la aimais, j'ai confiance en elle, et si est une excellente comédienne. On a moins de chances d'être mauvais en face d'un bon comédien. Souvenir de tournage. Revenant sur le premier jour de tournage de Détective, Johnny Hallyday avait confié, on ne pensait qu'à créer quelque chose de bien. Si est-il le jour des essais que j'ai eu le trac. On l'avait tous, d'ailleurs. Claude Brasseur a canalisé sa peur à sa manière en jouant les décontractés, ça va les mecs? Bon, je me mets où? Nathalie, dans son coin, paralysée, était silencieuse. Et moi, si esti comme si je sortais d'un sauna. J'étais en nage. Amusé, il racontait aussi une anecdote sur la façon de travailler de Jean-Luc Godard, je ne sais pas si Godard écrivait ses dialogues au dernier moment, ou s'il nous menait en bateau, mais il nous laissait croire qu'il se levait tous les jours à 5 heures pour les rédiger, pour ne pas nous les donner la veille. On devait apprendre notre texte pendant les répétitions.